Nous sommes à Belize, dans cette merveilleuse place qu'on appelle Dream Valley, en compagnie de Chantal, qui est la fondatrice du projet. Et je voudrais, Chantal, te remercier premièrement de nous accueillir dans ce magnifique resort. Et juste, on est curieux d'avoir un petit peu ton son de cloche, à savoir c'est quoi ton background, qu'est-ce qui t'a amené au Belize au départ, et qu'est-ce que tu as fait dans le passé, un petit peu nous raconter en quelques mots. Alors, je vais essayer d'être brève. Être brève. Voilà, j'ai eu quelques vies intenses par le passé où j'ai eu la chance d'être successful dans différents business. Et là, maintenant, j'arrivais dans une période de ma vie où je n'avais absolument plus besoin de faire quoi que ce soit. Et plus j'avance dans l'âge et plus je suis près de la nature et de la spiritualité en général. Donc, ce pays m'a conquis car la nature est présente partout. Voilà, en quelques mots. Merveilleux. Et pourquoi un projet ici dans le district de Cayo versus tu aurais pu choisir un autre projet à Placientia? Pourquoi ici Cayo particulièrement? Voilà, parce que nous avons commencé par une île qui est un petit paradis en elle-même où j'avais toujours rêvé d'avoir la possibilité de réunir mes enfants, leurs amis, car ils adorent partager des bons moments. Et puis j'ai toujours été aussi amoureuse de la jungle parce que j'ai passé pas mal de temps en Afrique. Donc ici, ça m'a rappelé un petit peu ces très bons souvenirs. Et c'était un excellent complément parce que tous les gens qui venaient dans l'île, évidemment, passaient ou essayaient de passer un peu de temps à l'intérieur dans la jungle. Et malheureusement, c'était toujours avec des routes difficiles. Et quand ils arrivaient chez nous, ils étaient presque exténués. Donc j'ai dit, tiens, si je trouvais une belle propriété à moins d'une heure, eh ben, je ferais l'effort de créer un deuxième resort pour donner à ses clients la possibilité de visiter deux mondes dans un temps restreint, ce qui maintenant est quand même rare, sans trop de décalage horaire. Et voilà Effectivement. la raison d'avoir choisi ça. Et puis ces rivières, qui sont évidemment une source de nature exceptionnelle pour la végétation parce que ça apporte de l'eau, donc ça permet d'avoir cette luxuriante végétation que tu vois autour de nous. Tout en étant proche de la capitale qui est Belmopan, on est à moins de 10 miles, effectivement. Exactement, tout en étant proche de cette capitale qui nous apporte quand même une certaine qualité de clients, des clients qui viennent un petit peu du monde entier en tant qu'investisseurs, plus des ambassades. Et puis bon, une capitale, même si c'est une petite capitale, ça draine évidemment plus de qualité, tout en étant à l'intérieur du pays. Depuis un an que tu as ouvert, maintenant, parce que Dream Valley a ouvert en avril 2012, Voilà. on parle d'un taux d'occupation, on parle de quoi en termes de taux d'occupation, tu dirais Oui, on va dire peut-être 50%. Puis cette occupation, excellent. elle est très variée parce que nous avons des personnes qui viennent de France, de Suède, de Russie, évidemment des États-Unis, du Canada aussi. Nous Oui. avons eu la chance d'avoir aussi des Canadiens et bien sûr des personnes qui sont des Belizéens de Belmopan parce que la promiscuité de la capitale nous apporte des conférences, des meetings, des mariages, donc c'est un petit peu varié. C'est une clientèle très variée et tous les gens qui viennent ici à Dream Valley s'extasient toujours sur le calme et cette nature qui est magnifique. Même ceux qui sont habitués, puisqu'ils sont natifs de ce pays, ils sont étonnés parce que nous avons mis un peu en exergue cette nature avec un petit confort européen qui a donné une touche peut-être différente et que l'on trouve peut-être pas forcément toujours à Belize. Tout à fait. Puis là, tu as un spa maintenant, le restaurant. Voilà, nous avons un très beau spa, très très super confortable parce que bien sûr nous avons de l'espace. Nous avons un restaurant, nous avons trois chefs qui essayent d'être performants dans des cuisines diversifiées, ce qui est très plaisant. Nous avons un chef pâtissier aussi qui fait du pain, de très bons gâteaux et qui a appris, qui fait déjà une formation parce qu'il ne sera pas là évidemment pour tout le temps. Donc la relève est déjà assurée. Donc on essaye aussi de suivre avec une bonne cuisine, ce qui aussi n'est pas toujours évident dans ce pays où c'est un petit peu basique en général. Puis combien d'unités tu as présentement pour la location actuellement? Alors là, nous pouvons recevoir à peu près 25 personnes. 25 personnes.
Voilà, et puis nous avons des suites qui sont davantage pour des suites familiales, nous avons des suites pour les honeymooners, nous avons des suites tout simplement très confortables pour les gens qui aiment être près de la nature et qui se lèvent avec la rivière pratiquement dans leur salon, ce qui permet de voir toutes sortes d'oiseaux, d'animaux, ce qui est très plaisant. Merveilleux. Ben, merci beaucoup, Chantal. C'est un plaisir.